Ce que disent les images du corps du filmeur. Ce que disent les images du corps. Du corps invisible à l'image, hors champ. Du corps du filmeur invisible à l'image, hors champ. Ce que disent les images du corps. La hauteur de la prise de vue. Je filme de mon point de vue, à la hauteur de mes yeux. Une histoire de hauteur, une histoire d'auteur. Suis-je l'auteur de l'image? La seule chose dont je suis certain, l'image est à la hauteur de mes yeux, à la hauteur de mes mains. Ce que disent les images du corps du filmeur. Ce que disent les images. Ce que disent les images du corps du filmeur. Elles disent la hauteur de l'œil, la hauteur de la main. Elles disent la main qui hésite à fixer le cadre, la main qui tremble. Elles disent comment tout le corps du filmeur est engagé dans la prise de vue. L'œil, l'oreille, les mains, les bras, tout le corps, jusqu'à l'appui des pieds sur le sol. Le poids du corps qui passe d'un pied sur l'autre pour faire un mouvement de caméra, pour aller chercher quelque chose hors champ, pour élargir l'image. Panoramique, seul le poids du corps varie d'un pied sur l'autre. Ce que disent les images du corps du filmeur. Qu'il est au centre du lieu qu'il explore, le centre d'une sphère dans laquelle il découpe des images. Avec la petite caméra que je tiens dans ma main, l'image suit les mouvements de mon corps. Je découpe des morceaux de ruban numérique dans le flux de la vie. Je découpe des morceaux de ruban numérique dans le flux de la vie. Je découpe des morceaux de ruban numérique dans le flux de la vie. Je coupe et je colle. Je colle, je colle. Je coupe, je colle. Nous n'avons plus de lanterne magique. Je coupe et je colle. Je colle, je colle. Je coupe, je colle. Le web est notre caverne. Je coupe et je colle.
et je I coupe. want one hour, I want hour, I want one hour, I want Le web est notre caverne.